mesdames, bonjour messieurs. Comme vous le savez, je me présente sur une liste de rassemblement de la gauche pour les municipales de Longo. Et nous vous attendons fortement le 15 mars pour ce premier tour. À l'issue de la campagne que nous avons menée, qui a été fructueuse par la consultation citoyenne, nous avons pu élaborer un programme pour notre ville de Longo, avec vous et pour vous. Aujourd'hui, notre ville a besoin d'un grand changement. Ce changement, nous l'exprimons par la diversité de notre liste. Cette liste s'accompagne de grandes compétences. La première compétence sera celle du premier adjoint Patrick de Rogy. Qui lui-même, technicien, ancien cadre et retraité SNCF, sera, en complément avec moi et tous mes colistiers, travailler pour l'intérêt général de notre ville. Notre programme est grand. Il se mesure à court terme, à moyen et à long terme. Il se mesure par le financement, mais il se mesure surtout par vos besoins et par vos demandes que vous avez tant exprimées dans le questionnaire de consultation. Sur ce sujet, les finances, elles ne viennent pas du ciel. Les finances, il faut aller les chercher. Il n'est pas question pour nous d'opérer à une fiscalité plus importante, mais par contre de travailler en étroite collaboration avec toutes les institutions. Que ce soit la métropole, le département, la région, l'Europe et l'État. Bien sûr, c'est une ambition importante et forte, mais nous pouvons y croire parce que nous allons avoir une équipe à compétences qui saura opérer, construire des projets, intervenir et surtout, répondre au plus près de vos besoins de proximité. Un des besoins de proximité importants que vous avez tant exprimé dans ce questionnaire est la propreté et la sécurité dans notre ville. Nous nous engageons, une fois élus, à mettre tout en œuvre sur toute la première année pour rendre notre ville belle, propre et sécure. Nous nous y engageons, nous ne sommes pas dans la discussion, nous serons dans le faire. Je veux mettre en place des comités de quartier qui seront animés par des élus en interactivité continuelle avec vous, les citoyens, afin de répondre à vos questionnements, à vos problématiques. Et enfin, je voudrais terminer mon propos en remerciant tout le comité de soutien de notre liste. Qui a su élaborer cette campagne avec dignité, avec responsabilité. Remercier tous mes colistiers qui seront des futurs élus demain, à votre écoute et proche de vous. Remercier bien évidemment ma famille qui m'a accompagnée dans toute cette campagne. Enfin, je vous attends, nous vous attendons le 15 mars pour ensemble construire le Longo qui nous ressemble. Bien à vous, amitié, Nathalie.